Hey yo tout le monde, c'est Esteban. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Manga Quiz. Pourquoi Manga Quiz? Bah, y a une petite mise à jour, rien que ça. Je vais baisser le son. Oui, parce que j'étais en train de regarder Food War que j'ai fini. Enfin, j'ai aussi fait mes petites recherches et j'ai découvert qu'il y avait 5 saisons. Ah, sur le fait, il y en a 2. Oh, j'espère que les questions qui y sont, c'est pas sur les 5 saisons. Oh là 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 là. Oh, vous allez voir que j'ai déjà fait la première partie, mais je vais la refaire avec vous parce que c'est. J'ai juste voulu voir si les questions étaient faciles. Oh oui, elles sont faciles. Bon, après, c'est des questions de début de saison. Genre là, par exemple. Quel plat l'agente immobilière réclame-t-elle à Soma après avoir ravagé le restaurant au début du manga? C'est j'allais dire du poisson, mais en même temps ils en cuisinent tellement du poisson, c'est de la viande, elle demande de la viande. Oh. Où le père de Soma part-il travailler après avoir fermé le Yukira? Oh, United States of America. Attends, il est 5h30 du mat. Puis je fais comme s'il était 14h. Bon, en même temps, je suis pas fatigué. Quel plat Soma sert-il à Irina pour son examen d'entrée? Un furikake. Ding ding. Ah, c'est un putain. Et ça, c'est les premiers épisodes. Hein. Est-ce que ça me fait regarder une pub? Oui, ça me fait regarder une pub! On va voir si cette pub, c'est une pub de qualité. Ok, Pokéstar. Attendez, faut que j'enlève la Wi-Fi, hein. Ça sera mieux, je pense que. Parce que, en fait, je veux juste avoir les indices gratis. Voilà, c'est Saint-Demon. Est-ce que j'ai les indices gratis? Wouhou! C'est sans la Wi-Fi que j'ai les indices gratis! Quel est le premier plat que Soma cuisine après son entrée de Sotsuki? Wouhou! Il cuisine ce plat durant le cours du professeur de Monsieur Chapelle. Et Monsieur Chapelle, c'est un professionnel de la cuisine française. Pour ça, il y a bœuf bourguignon, quiche lorraine, coq au vin, pot-au-feu, il fait un bœuf boubou! C'est facile. C'est. Takumi, elle est toute mimi, Nakumi. Quoi? C'est Isami? Oh, je suis perdu alors. Elle prendra par la suite la place de 10e siège de conseil. Pekita Dokoro. Voilà, je suis perdu. 7. Tadokoro. J'irai faire ma recherche après. Contre qui Soma dispute-t-il son tout premier Shokugeki? Contre Ikumi, il appelle Nikumi après. Et ouais, là-bas. Dans quel restaurant Takumi travaillait-il avant d'intégrer Totsuki? Ah oui, Takumi, c'est l'italien. Trattoria d'Aldeni. Durant le camp d'entraînement de Totsuki Resort, qui supervise la première mission culinaire. Elle est la propriétaire d'un restaurant japonais. Voilà, Inoui. Je sais pas, voilà. J'espère juste qu'il n'y a pas de questions sur les 5 saisons. Bon, 4, parce que la 5ème est un. Ah, quel type de restaurant Shinomiya tient-il? Il tient un français. Comment est surnommé Shinomiya? Megishima est le maître des ramen. C'est pas le maître de la viande. C'est pas le sorcier du chaudron. Le magicien des légumes. Durant le camp d'entraînement au Totsuki Resort, combien de petits déjeuners Irina parvient-elle? 400. C'est la seule à dépasser la barre des 400. Ouais. Facile. Quel est le thème du tournoi de l'élection d'automne? C'est les élections d'automne, c'est des plats au curry. Très très beau. Ouais, ça m'a donné surtout très faim. Ouais. Ah, surtout que vous voulez montrer tout à l'heure sans en enlevant la Wi-Fi. On est le vendredi 14 août, il est 5h33 du matin. Cette vidéo sortira en octobre. En octobre. Ouais, le jour où vous la verrez, on sera en octobre. Bon, ouais, passons à la 15. Quelle est la note maximale qu'un élève peut obtenir? C'est 100. Mais c'est des notes de 20 partout, hein, sauf que personne n'entend 100. Hein. Quel âge est Irina? Elle va avoir 16 ans. Elle a 16 ans. Elle est fraîche, mais elle a 16 ans.
Combien de points Ikumi obtient-elle au tournoi de... Oh, 86. Ouais, mais elle se fait quand même éliminer. À qui opposer Tadokoro? Tadokoro. Indice. Il a... Ah! Ryokugabara. Ouais. Tudokoro. C'est des épisodes que j'ai vus hier, hein, je tiens à préciser. Mais je me souviens déjà plus, quoi. Quand? Ou c'est peut-être des épisodes que j'ai vus aujourd'hui. Oh. Quel plasma décide-t-il de préparer pour son duel contre Mimasaka lors du tournoi d'automne? C'est le ragoût. Ce n'est ni une paella ni des lasagnes. Un chili de crabe. Un ragoût de bœuf. Ouais, c'est l'imitateur, la casse-couille, l'imitateur. De qui est composée la finale du bloc... De qui est composée la finale du bloc A du tournoi de l'élection d'automne? De qui est composée... Wesh. La finale se déroule. Ah oui, il y a trois participants, oui, c'est vrai. Bah c'est facile. Erina, elle n'a pas participé. On est là. Soma, Ayama, Kuro. Enfin, Soma Yukira. Jean-Paul Ayama. Et Ryo Kuro. Putain, voilà, niquez vos mères, c'est bon. C'est facile. J'espère juste que là, on a eu le droit de la saison 2. Là, j'ai peur que ce soit de la saison 3. Qui remporte la finale du voir Ayama? Dans quel restaurant Soma part-il travailler pour sa première semaine de stage? Mitaruma Western Cuisine avec Isako. Ah, Isako Tadokoro. Avec qui Soma effectue-t-il son stage chez Isako Tadokoro? Ouais, c'est maintenant. Quel style de cuisine Soma décide-t-il de faire de de faire pour concurrencer le stand de Kuka durant le festival de la lune? Une cuisine riche en épices. Indienne. Pute. Chinoise. On aime bien les épices au Chine aussi. C'est hein, la sauce chinoise du McDo, je vois, c'est ma préférée. De combien de tables dispose le stand de Tsukasa? C'est moins 7. J'aurais pas fait gaffe. Pourquoi ça se joue sur les détails que je peux pas gérer les détails? Ça m'énerve de moi savoir les détails. À quelle place du classement des stands termine Soma le premier jour du Festival de la Lune? Un 10. Il termine dernier du classement pour cette journée. J'aurais dû prendre la logique. Putain. Où se déroulent les examens de passage en deuxième année? Ma géographie, elle est pas terrible. Voilà, j'ai une super géographie. Et bon, on va aller vite. Attends. Qui remporte? Ah, c'est Ayama. Oh, ta pa bam. Ah, j'aime bien faire un peu le con en vidéo. Kagawa, Nara, Kagawa, Okinawa. J'avais pas mis déjà Okinawa tout à l'heure. Bah allez, c'est reparti pour un tour. Putain, les détails, les détails, les détails, les détails, les détails. En plus, je commence à être fatigué. Ouais. Bah, il est tôt en plus. À quoi? Oh, oh il est à peine 5h30 passé.
Merde, c'est avec Hokkaido. Hokkaido. Allez, on reprend maintenant. Quel est le thème de la première épreuve de l'examen de passage de deuxième année? L'élection d'automne. J'ai dit au pif. C'est la troisième, c'est non? Quel ancien membre du conseil des 10 vient en aide à Soma pour la troisième épreuve de l'examen du passé? C'est sûr. Aizen? J'en ai marre. Mais pourquoi ils vendent toujours de la saison 3? Et je parie combien qu'il y aura de la saison 4? Et Netflix, c'est des fils de pute! Putain, il pourrait être gentil, gentil, fils de pute! Bien, quand même. Oh, putain, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve. Putain, Festival de la Lune, même ça me dit rien, Festival de la Lune. T'es l'épreuve de passage de deuxième année. Sérieusement, il s'agit de l'ancien huitième. Lui, il est septième. Non. Kuga? Quel thème, Satoshi? Satoshi pioche-t-il pour l'épreuve du régiment de cuisine? Il s'agit d'un poisson. Ah, c'est l'anguille. Il y a eu le saumon juste avant. Ah, je joue au talent là, sur certaines questions. Ok. D'où est originaire le clan Ichiki? Il s'agit d'une ancienne capitale de Japon. Kyoto. Oui, parce que avant c'était Kyoto et pas Tokyo. Enfin, c'est con. Enfin, je l'ai dit au pif, hein. J'ai juste fait par déduction. De combien d'étapes est composé le régiment de cuisine? C'est plus de deux. C'est pas toi, c'est pas toi. Alors c'est cinq. Je fais de la logique. À qui sont opposés Soma et Irina durant la phase finale du régiment de cuisine? Oh. Ils affrontent les membres numéro 1 et 2. Yaizan. Hein? Tsukasa? Wow. C'est chaud! Quel siège occupait Joichiro Saiba? Il était deuxième, Saiba. Oh putain, une question de la saison 1 et 2. Qui succède à Azami en tant que directeur de Totsuki? C'est Dojima. Je vais bien. Regardez, vous remarquez. Kyoto, Tokyo. Kyy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 
Oh putain, il me saoule. Erina. Putain, Erina directrice. Et Ayama. Alors, Ayama est quatrième. Todokoro. Izuki? Azuko. Sous quel nom Saiba s'infiltre-t-il à Tsutsuki en tant qu'intervenant? C'est pas compliqué, il a du manque de moto. À quel portail Saiba commence-t-il? Pour. Quoi? C'est plus de deux. Voilà, c'est trois. À combien est estimée la valeur du plat de Tsukasa pour la deuxième épreuve de la compétition du bleu? C'est cher. Je vous l'avais dit, c'était cher. Ah, putain. Moi qui me disais, bon, allez, c'est bon, ça fait toute simplicité. Putain, et mon. Putain, putain. Kobayashi. Oh, putain. J'en ai marre. Mettez les mangas en entier sur Netflix. Putain de bordel de mes couilles de ta mère à la. Putain, je paye un abonnement, c'est pour voir les trucs en entier. Pas pour voir la moitié du manga. Sérieusement. Ça vaut cher, 500. La dernière question. Qui est le bookmaster de la compétition du bleu? Il s'agit de la mère d'Irina. Non. Mana? Je savais même pas, je savais même pas, je savais même pas. Oh, j'ai. Oh, faut que je voie l'attaque des titans, mais bien sûr, mais ils ont pas mis la saison 3. Enfin, Sword Art Online, je parie qu'il y a je ne sais combien de saisons aussi. Non, mais c'est bon. En plus, les panneaux de vote pour l'instant, bah, c'est. Moi, je veux voter pour Parasite. Ouais, parce que bah. Ou Blue Exorciste, clairement. Hein. Voilà. Non, mais c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. T'es Netflix, ils sont bien beaux, ils sont bien gentils. Mais bon. Faut mettre les mangas en entier. Bon, allez. Sur ce, les amis, on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Allez, peace!